Voilà, bonjour et bienvenue donc dans sur Wii U avec Black Ops Call of Duty 2 que j'ai eu à 50%. Alors, je fais cette vidéo et je vais vous présenter trois façons de jouer. La première façon, c'est celle-ci que je vais faire tout de suite, c'est-à-dire que j'ai un gamepad, d'accord, que j'ai eu avec dans le pack gratuit. La mablette, elle est ici, donc j'y touche pas. Elle est là, elle est posée, je peux vous l'emmener, voilà, vous la voyez, et je la repose sur son socle, d'accord? Je la laisse ici, elle est en bas, vous la voyez. Et je joue sur l'écran qui est ici, ok? Ça, c'est le premier type de jeu. Alors, je lance la partie, voilà, normal. On va un peu, hop, voilà. Et vous allez voir ce qui va se passer. Donc là, je rappelle que je joue sur cet écran. La manette qui est là, la mablette, n'est pas utilisée. Elle est posée. Ok. Et je joue au jeu avec le gamepad. Je vais vous montrer. Je ne vais pas mettre là, ça craint. Donc là, je choisis. On peut voir que sur l'écran ici, je peux choisir ma classe. Sur la mablette qui n'est pas utilisée, je peux voir la classe et je sélectionne ma classe avec le gamepad. D'accord ? Je prends agent. Et c'est parti. Vous pouvez voir deux choses. D'une, je peux jouer normalement comme l'on jouerait sur PS3 ou sur Xbox 360. Mais il y a quelque chose de plus qui n'est pas sur toutes les consoles, c'est que ici, pendant que je joue avec le pad, j'ai ceci, avec des scans, avec des atouts à droite à mettre, des atouts des bombardements, tout ça, à gauche des classes et au milieu la carte. En temps réel. D'accord ? Vous allez voir, donc là je vais m'arranger pour avoir un drone, si possible. Pas être facile, mais je vais essayer. Ça, c'est la première méthode de jeu. Je vais essayer d'avoir un drone. Donc, vous pouvez constamment voir ici que ça agit. D'accord ? Je peux me voir sur la carte actuellement, en bas à gauche, sur la mablette. Enfin, pour vous, c'est en bas à gauche, mais sur ma mablette, je me vois et je vois les ennemis. Ok ? Jusqu'à là, ça va. Il faudrait encore que je tue encore quelqu'un pour avoir un drone. Voilà, j'ai un drone. Regardez bien ici en bas à gauche. Je mets mon drone. Regardez. Et ça me scanne pas sur la carte ici. Enfin, ça me scanne aussi. Mais si vous voulez, ça me scanne ici. Et c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Et comme ça, je peux continuer à jouer et avoir mes deux écrans en relation, en fait. Hein. Moi, je joue sur l'écran du haut, mais je pourrais très bien lire en même temps, et je lis en même temps ce qu'il y a. Pas très bien, je peux le faire. Je regarde, d'ailleurs. Je regarde. Ça me permet de voir ici que j'ai des atouts qui ont changé. Je vois l'écran de la personne qui me tue. C'est-à-dire, je vois qu'est-ce qu'elle a comme atout, ici. Et je vois où elle est positionnée aussi en même temps. Parce que la mablette prend, lorsqu'on a une kill cam, l'affichage du joueur en fait. Donc voilà, ça c'était la première méthode. Donc je vais arrêter de jouer là-dessus. On va faire start, je fais arrêter partie. Choisir. Et je dis arrêter partie. D'accord, partie finie. Vous pouvez voir ici donc le score. Ici, on a toujours sur la mablette l'affichage de la carte qui va changer. Voilà, voilà, c'est une kill cam. Voilà. On peut voir que ici, ça correspond au bot qui est en train de faire la kill cam. Et là, on a ses atouts ici. Voilà. Et ça s'arrête là. Donc ça, c'est pour la première partie du mode de jeu. Voilà. Maintenant, je vais poser
mon gamepad, d'accord ? Jusqu'à là, tout va bien. Je pose le gamepad. Voilà, je vais peut-être le poser ailleurs d'ailleurs. Ici. Ah, oh, oh là, oh là, oh là. Si je le pose là, c'est pas bon. Alors, je le pose ici. Voilà, pour pas trop qu'il touche quelque chose. Je prends la mablette. Voilà, donc là, du coup, pour le coup, je vais revenir sur l'écran. Ici, en même temps, je vais essayer de, hop, de redresser un peu l'image. Voilà. Donc, pour le coup, j'ai la mablette ici. Alors, si j'appuie ici sur affichage, je vais avoir ce que j'ai à l'écran là-haut. D'accord ? Mais je ne veux pas le faire. Donc là, je suis avec la mablette et il me dit, ah, utiliser, ajouter un autre joueur. Alors, utiliser pour moi, donc je dis utiliser, donc je fais choisir. C'est tout simple. Et maintenant, je suis sûr, donc vous pouvez apprécier le changement de manette qui est quand même assez sympa. D'accord ? Je peux vous dire ça parce que j'ai la Xbox et la PS3 et donc je sais de quoi je parle. On peut le faire, mais ça va plus, c'est plus rapide là. Donc, je fais commencer partie. Donc, c'est la même partie. D'accord ? Donc, je vais jouer cette fois-ci sur l'écran qui est ici, en haut, normal, mais avec la mablette. Ce qui fait que ce que je voyais tout à l'heure avec la mablette posée, je vais l'avoir beaucoup plus près et je vais jouer directement sur la mablette. Donc, ça... C'est le deuxième type de gameplay. On va pas faire une partie, hein, je vais juste vous montrer. Voilà, donc là je choisis pareil, agent, et j'y suis. D'accord ? Donc là vous pouvez apprécier les différents reflets, textures, c'est quand même bien foutu. Donc là on voit ici ma carte, mes atouts, enfin mes trucs, la carte avec les bonhommes, changement de classe. Vous pouvez, pendant que l'on joue, j'ai bien dit pendant que l'on joue, changer de classe. Pendant que l'on joue. Pas on arrête et on fait ça. Non, c'est pendant que je joue. Mais je peux me déplacer. Sur Xbox, on peut pas. D'accord ? Donc, là, je fais ça, je rappuie deux fois ici et j'ai ma carte. Et je continue. Donc, pareil, on retrouve en prenant la configuration... classique, j'ai bien dit en prenant la configuration classique, on retrouve le même les mêmes positions que sur la Xbox, d'accord ? À savoir pour les touches qui sont ici, qui normalement seraient plus haut, mais bon, elles sont là. Et en tout cas, on retrouve les mêmes choses. Ce n'est uniquement pour placer les doigts après que ça va changer, mais en tout cas les positions des touches haut, bas, enfin celles-ci là. Bon, c'est les mêmes. On peut retrouver la même chose. Donc là, on peut jouer. À tout moment, je peux cliquer ici, affichage, et jouer sur la mablette et l'écran affichera peut-être à rien du tout. L'écran se coupera et je jouerai là-dessus directement. Je l'ai fait. Je ne sais pas comment revenir, c'est pour ça que je ne vais pas le faire. Je l'ai fait, je peux vous dire que c'est très joli. D'accord ? Voilà. Ça, c'est pour la seconde partie. Donc la deuxième partie de la façon de jouer. Maintenant, je vais vous expliquer la troisième partie. Qu'est-ce qu'on peut obtenir avec cette association-là, de la mablette et de cette console. Alors tout simplement, vous pouvez jouer à deux. Jusqu'à là, vous allez me dire, c'est pareil sur les autres consoles. Tout à fait. Avec un écran scindé, d'accord, et on peut jouer à deux. Sauf que maintenant, je peux jouer avec un copain qui vient, mettons. Ce copain va jouer sur ce gamepad là et sur l'écran que vous voyez ici. D'accord ? Pendant ce temps, moi, je serai à côté de lui, il ne verra pas mon écran et je jouerai directement sur la mablette. J'aurai donc un écran à moi tout seul, un perso à moi tout seul et je jouerai contre lui ou avec lui sur une partie avec des bots. Ce qui veut dire que ça nous fait comme si on avait deux consoles ou deux écrans séparés, d'accord. Et je peux vous dire que jouer sur cette mablette est très pratique, très très bien. C'est au-dessus largement de la Vita. Je l'ai, la Vita, elle est là. Donc voilà, c'est au-dessus. Je vais vous montrer l'écran de la Vita. Bougez pas. Alors l'écran de la Vita, c'est simple. Là, vous avez. Ah, je vais allumer. Je sais pas si je peux allumer. Alors, la Vita, elle est là, d'accord ?
Bon, c'est une coque que j'ai eue, hein. Vous pourrez voir mes vidéos, c'est une coque. Et la mablette, elle est là. Voilà, c'est plus grand. Et plus grand que la Vita d'ailleurs. Vous pouvez voir en taille, c'est plus grand que la Vita. Je vous remontre encore une fois la taille d'une manette Xbox. Donc on voit bien que c'est deux fois plus une fois ici. Voilà, je peux vous dire que je n'ai pas trop regardé les vidéos, enfin trop regardé de la console, j'ai même pas mis les mains dessus. Je peux vous dire que ma première impression par rapport à ce gamepad là est très positive. Vraiment. Il est facile de prise en main. C'est très agréable. Très agréable, vraiment. Et ça rajoute, sur Zombie U notamment, ça rajoute une formidable expérience de jeu. Voilà. Et sur Black Ops, eh bien, ça rajoute, ma foi, une interface lorsque l'on joue directement au pad. Ça rajoute une interface là-dessus, visuelle, pendant que l'on joue de la carte en solo, voilà, et qui est très appréciable. Et le pompon sur le gâteau, c'est que donc lorsqu'on joue à deux, eh bien la personne peut jouer sur cet écran et vous, donc je répète, sur cet écran là. Voilà, ça c'était la troisième possibilité de jeu. Voilà, je pense que j'ai tout vu. Je vais juste vous montrer un petit peu, bien que c'est on retrouve les mêmes. Les mêmes repères que sur la Xbox. Graphiquement, c'est pareil. Je dirais pas que c'est plus beau ni moins beau. Je ferai pas le procès de l'un ou l'autre. C'est très jouable. Et c'est pour moi, la qualité, elle est là, quoi. Voilà, elle est là. Je suis très content que sur ce type de console, et je serai peut-être pas le seul, maintenant, on peut avoir accès à ce type de jeu. Parce que néanmoins, des trois consoles, je trouve que la Wii U, par rapport par exemple à ce jeu Black Ops 2, se détache du groupe par rapport à cet écran là et aux ressources qu'on peut y trouver. Regardez, j'ai la map en temps réel, quoi. Voilà, et par rapport à ça, je trouve que c'est très bien. Voilà, il a eu mal. Voilà, je vais vous faire un drone, vous allez voir, je vais me mettre là. Là, j'appuie sur drone. Et ici, je l'ai. Drone, je l'ai pris, drone. Ah, il me l'a détruit. Il l'a détruit. Ah, voilà, donc j'appuie, voilà, c'est bon. Voilà, vous voyez. Donc là, sur ma manette, j'ai ça. En haut à gauche, bah, pareil. Mais sur la manette, je l'ai. Là, je peux voir sur la manette. Bon, là, je suis mort. Mais voilà, vous voyez bien le truc, quoi. Et là, c'est les atouts du mec qui m'a tué. Voilà, ça repasse. Il y a eu la kill cam. Et voilà. Donc voilà, elle est munie d'une petite caméra ici. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une petite caméra ici. Il y a un volume ici, parce que sur Wii U, le personnage peut vous parler dans la manette directement. Il y a un prise casque, il y a une prise ici de rechargement direct. Et ici, je ne sais plus, c'est sur le socle. Vous la posez sur le socle, elle se recharge toute seule. Voilà. Bah c'est tout, ma foi. C'est ça, hein, ça recharge. Bon, je dis pas de bêtises. Oui, je crois. Oui, ça passe par derrière, en fait. Ici, pardon. Bah non. Attends. Il est où, le truc, là? Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Attends. J'ai fait des bêtises, là. Est-ce que ça se charge ou pas? Oui. C'est sur les... En fait, voilà, pardon. Ça se charge ici. Ça doit se charger là. Et là, en fait, il y a deux petits ergots qui viennent dessus. Et la manette, vous la mablette, vous la posez, elle se charge. C'est livré aussi avec un petit socle à part. Il n'y a aucune charge à avoir là-dessus. Voilà. Je vais vous montrer, puisque je l'ai aussi, j'ai beaucoup de choses. Je vais vous montrer par rapport à un iPad. Voilà. Alors, l'iPad, je vais vous montrer l'écran. Voilà, par rapport à un iPad. Voilà. OK. Donc ça vous laissera une petite idée. Et voilà, donc je remontre aussi par rapport à une Vita. D'accord? Voilà. Je suis très content de cet achat. Voilà. J'ai eu un peu de chance aussi parce que je ne l'ai pas réservé et je l'ai pris directement. Voilà, ça c'est bien.
Je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que je ferai non pas des vidéos sur Black Ops, mais sur Zombie U. Voilà. Black Ops, c'était juste pour vous montrer. Vous voyez là ici, affichage. Si j'appuie dessus, j'ai l'affichage du Black Ops là-dessus. Voilà. Et là, je n'ai pas trouvé la dernière fois, parce que j'ai fait deux vidéos pour... Je ne sais pas comment quitter ce jeu. Ah, je ne sais pas. Menu principal peut-être. Retour. Alors si je fais Home, ça ne marche pas. Donc je ne sais pas comment quitter le jeu. C'est fou. Voilà, je vais le faire, mais hors vidéo. Merci et à bientôt. Au revoir.